Madame, bonjour. Bonjour madame. Madame, bonjour alors. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Vous avez de très chouettes lunettes. Ah oui, ben merci. Comment vous appelez-vous? Natacha. Natacha, et vous venez d'où Natacha? D'un petit village entre Montargis et Courtenay. Alors Natacha, vous nous apportez ici un tableau. Expliquez-nous un petit peu l'histoire et de qui est-il signé? Alors, c'est un tableau de Charles Coipil, un peintre belge. En fait, il me vient de ma grand-mère, mais que je dirais adoptive. Mon père ayant été adopté pendant la guerre. D'accord. Je crois qu'elle avait une belle collection de tableaux et il en fait partie. Et Charles Coipil, qui est connu pour justement le fauvisme un petit peu de Matisse et c'est le cubisme un petit peu tempéré. Tu connais Charles qui est un... Charles Coipil, toi ? Coipil, ouais, K-V-A-P, qui est un peintre tchécoslovaque à la base, qui est venu étudier à Anvers et qui a été un petit peu sensible justement à certains courants artistiques. Et qui a une très grande production, oui, beaucoup très produit. Et surtout qu'il a aimé beaucoup les femmes plantueuses et aussi, voilà, et les régions. Fleurs. Aussi, ces régions ensoleillées. Ah bah là, elles sont bien cachées, hein, les femmes plantureuses. Hein. Bah, tu peux essayer, voilà, peut-être essayer de la regarder déguiner. Derrière les arbres, là, parce que là, on les voit pas, là. Sont dans les bosquets. Dans les femmes plantureuses, là. Natacha, est-ce qu'on a pu dire où c'était peint, donc l'endroit oh bah là, on reconnaît quand même, Provence, c'est, quand même, c'est vraiment la Provence. On reconnaît par les arbres, mais aussi par le Vaucluse, le par Luberon, les habitations. Enfin, par là. Et puis, on a envie d'aller se promener sur ce chemin. Il y a une très, très belle perspective. On a envie de rentrer dans le tableau, ouais, et ouais, d'aller voir ce qui s'y passe. Exactement. Alors là, on est au début du XXe siècle. Dites-nous oui. Tout, Natacha. Oui, 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 tout à fait. D'accord. A priori, il aurait été peint dans les années 1930. Il mériterait un joli cadre Montparnasse, votre tableau. À changer, hein, oui, ça c'est sûr. Et un petit nettoyage, oui, j'allais aussi dire. Très joli. C'est très bon. Et voyez, ce genre de tableaux, aujourd'hui, on les recherche aussi pour les placer dans des intérieurs très modernes. D'accord. Ça se mélange très bien, par exemple, avec du mobilier danois. Et de près, il a une autre consistance, attention. C'est là, entre la différence, ouais, de, là où j'étais assis, quand tu le regardes de oui, près... Oui. De près, c'est pas une grande main, on va dire, c'est ça? Ah non, non, je ah trouve non, que c'est justement, de près... Au contraire, il y a une pâte. Ah oui, oui. D'accord. Il y a vraiment la pâte au niveau des arbres. Vraiment super. Moi, j'adore votre tableau. Il a un relief. C'est beaucoup plus fin de près que de loin, mais ça, c'est normal de le voir comme ça, mais comme on dit, c'est Noël, là. Il ne manque plus que les enchères suivent. Allez, oui, on va voir. On va les commencer. Commençons. Allez, on les commence. Allez, 50 euros. 100 euros. 200. 250. 280. 300. 350. 70. J'ai l'impression, Caroline, que ce serait un beau cadeau à faire pour ton papa, Albert, qui est fan de peinture, n'est-ce pas ? Absolument. Et de cette région. Et de cette région, donc, il me semble. Donc, attention, là, je ne vais pas le laisser partir. Là, c'est pour ça, que... Ça va être... On va pouvoir l'attaquer, vous allez être contente. Ouais, allez. Il va me faire monter, parce que maintenant, je l'ai dit. Donc, 400 euros. 450. 500. 550. 575. 600. 625. 650. Allez, 675. Eh bien, je vais arrondir à 700 euros. Je veux en faire un cadeau et je pense que c'est pour déjà Albert. Pour Albert. Écoutez, commencez une approche vers Caroline, on verra bien ce qui se passe. Ils vont peut-être réenchérir, vous inquiétez pas. Venez, on va essayer. Parce qu'à mon avis, c'est un beau tableau. Il peut se passer des choses. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens. Moi aussi, je le sens. Venez, venez vite. Venez, on va essayer. Vite, dépêchez-vous d'essayer de taper. Allez, ici. Encore une petite. Allez, 725. Allez, une petite. Petite. Une petite. Allez. 750. Allez. Je leur ai dit que je le voulais. Allez, 800. Affaire conclue. Trop tard. Trop tard. Il fallait se réveiller. Elle n'avait pas tapé, madame. Il fallait se réveiller. 750 euros chez Caroline. C'est une très belle vente, madame. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Retour. Au revoir. Merci pour le tableau. Il était très beau. Bravo. Il est magnifique. Moi, je suis très contente. J'attendais 600 euros et c'est au-delà de ce que j'espérais. Donc, c'est une très belle surprise. Je pense que je vais revenir vous voir avec un autre objet.